Bienvenue tout le monde. On va commencer en juste quelques secondes ici. Voilà. Bienvenue. Hey, bonjour. Bonjour Taylor, ça va? Oui, bien, merci. Et toi? Ça va très très bien, merci. Ouais, sympa, ça commence. Oui, oui, on commence maintenant. Donc, je peux faire juste une introduction ici. Donc, bienvenue tout le monde. On va parler un peu à propos le sujet de l'exploitation sexuelle et la sécurité en ligne aujourd'hui. Et nous joignons aujourd'hui du Centre francophone de Toronto, Grand Toronto. Bienvenue. Merci, merci Taylor. Je suis très contente d'être ici. De la part du Centre francophone du Grand Toronto, en effet. Merci beaucoup pour l'invitation. Yeah, absolument. Yeah, no, je suis vraiment excité que tu es ici aussi. Je pense qu'on va avoir une très bonne discussion. On va juste dive in, I guess. Oui, on peut attendre un peu si tu veux aussi. On peut donner le temps aux gens de se joindre, sure. Si on veut. Mais on peut aussi commencer un peu. J'espère qu'il fait beau là où tu es, là, toi. Yeah, c'est pas mal aujourd'hui. Je viens de Winnipeg. So pour le plus part, c'est un peu froid, mais en été, c'est chaud, so it's good. Et toi? Moi, à Toronto, il fait un peu gris, hein. Il fait couvert, mais ça pleut pas. T'as envie de pleuvoir, mais il pleut pas. Mais j'aime beaucoup quand il fait chaud comme ça. Oui, yeah, yeah. On ne peut pas se plaindre en hiver, puis en été aussi. Donc, je ne me plains pas en été, même quand il fait trop chaud. Yeah, no, exactement. Oui. Awesome. Yeah, donc, pour tout le monde qui se joint maintenant, je m'appelle Taylor, je travaille avec le Ruban Blanc, on est ici avec le Centre francophone du Grand Toronto. I guess on peut juste commencer. OK. I guess, premièrement, juste parle-nous un peu de toi-même et ton travail. OK, merci beaucoup. Taylor, moi c'est Aline Nidigama. Moi, je fais partie du Centre francophone du Grand Toronto. Je suis la directrice des projets stratégiques, des partenariats et des communications. Et dans mes projets stratégiques, il y a le logement et puis il y a la lutte contre la traite des personnes pour les communautés francophones. Et puis, je suis ici depuis un an et... on travaille très très fort sur les projets que j'ai mentionnés, mais aussi on soutient d'autres initiatives à l'interne, puis en partenariat aussi avec nos partenaires communautaires comme White Ribbon. Et donc, je suis très très contente d'avoir l'invitation parce que c'est un sujet sur lequel on travaille activement en ce moment. On a un projet que je vais vous parler un peu s'il y a du temps. Oui, donc on a un projet qui rassemble les agences qui sont activement en train de travailler sur la lutte contre la traite des personnes. Et puis, pour créer une table de concertation, pour avoir tout le monde autour de la table, pour discuter en français, créer des outils francophones et pouvoir les distribuer et puis nous assurer que des gens qui se retrouvent dans ce système de la traite humaine, la traite des personnes qui sont francophones, qui ont besoin de ressources, puissent avoir de l'aide, savoir où aller. On travaille là-dessus. C'est un projet de 3 ans, mais on est dans la première année en ce moment. La deuxième, on a commencé. Ça se passe très, très bien. Yeah, awesome. Yeah, merci pour juste sharing maintenant. Yeah, c'est vraiment bon de travailler sur ce sujet et d'aider beaucoup de gens aussi. Oui, on se rend compte qu'il y a pas mal de ressources qui existent pour les anglophones et que c'est bien, mais très peu de ressources et puis très peu d'opportunités de collaboration parmi les francophones. Et donc, il y a quelques initiatives qui commencent, mais nous, on veut vraiment faire réunir tous les partenaires, les parties prenantes dans la région du Grand Toronto, mais même un peu plus loin, dans le centre sud-ouest de l'Ontario,
parce que quand on parle de la traite, ça se passe pas mal dans cette région, beaucoup. Et on sait que ça affecte beaucoup les femmes et les filles, les communautés LGBTQ aussi, les communautés autochtones, mais on se focalise beaucoup sur les agences qui travaillent avec ces communautés-là. Non, exactement. Non, c'est bon. Et une des ressources qu'on va parler un peu, peu aujourd'hui, c'est notre ressource aussi, wrprevent.ca, so whiteribbonprevent.ca. Et oui, on a une section français et beaucoup de ressources en français aussi. So j'espère que ça va aider aussi. Ça aide énormément. Moi, j'étais très contente de voir cette ressource, cette plateforme, parce qu'il y a vraiment beaucoup de ressources pédagogiques que les élèves, les jeunesses qui sont très concernés par ce problème, et puis les éducateurs et les éducatrices peuvent utiliser. Nous comptons vraiment travailler avec White Ribbon pour promouvoir l'utilisation de ces outils, parce que c'est exactement le genre de choses dont on a besoin. Donc, on sait que dans nos rencontres, là, pour le projet dont je parlais, c'est quelque chose qui a été vraiment mentionné beaucoup. Les écoles, les enseignants et les enseignantes sont vraiment à la recherche de ce genre de choses. Et c'est vraiment très détaillé. J'aime que c'est vraiment thématique. J'ai vu le genre de ressources. Donc, j'encourage vivement les gens à regarder ce site. Puis, on va le partager dans nos réseaux aussi pour que ça soit bien utilisé. Wow. Yeah, merci beaucoup. Non. C'est vraiment le genre de choses qui peut aider. Et on a hâte de continuer à travailler ensemble et puis à promouvoir ça ensemble. Donc, j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui expliquent ce que c'est la traite sexuelle, qui est une grosse forme de la traite de personnes. C'est vraiment la majorité de la traite qui se passe au Canada. Ça se résume beaucoup à la traite à caractère sexuel. Quand on regarde un peu à l'international, des fois, ça change par rapport à la traite humaine. Mais au Canada, on parle vraiment de la traite sexuelle. Puis, j'aime beaucoup la voix de White Ribbon qui amène l'implication et l'engagement des hommes et des garçons, parce que c'est vraiment, ça concerne aussi cette communauté. Donc, c'est une voix dont on a besoin aussi quand on parle de ça, parce que pour changer les systèmes, il faut vraiment... I guess probably à propos de ça, oui. Est-ce qu'on peut juste explorer un peu, penses-tu, comment est-ce que les hommes et les garçons peuvent aider un peu plus? Oui, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de sensibilisation à faire, surtout pour la jeunesse, parce qu'il y a peut-être certains comportements qu'on peut rectifier, qu'on peut aborder, parler ouvertement, discuter ouvertement à la jeunesse pour dire voilà, quand on agit comme ça, des fois on rend les espaces moins sécuritaires, et puis des fois c'est volontaire, puis des fois c'est involontaire, mais souvent vraiment il y a des changements de comportement qu'on peut promouvoir. Et puis je pense que les hommes déjà peuvent aussi être des alliés, puis étant donné que malheureusement la majorité des gens qui sont à la source même de cette violence, c'est souvent des hommes. C'est pas quelque chose que j'apprends, je t'apprends, oui. J'espère, c'est vrai, c'est les statistiques le montrent. Et puis il faut vraiment que les hommes alliés qui voient que c'est un vrai problème systémique de culture, qu'ils puissent ouvrir la voix, qui partageait, vraiment être vocal pour en parler, parce que des fois c'est aussi un autre homme qui peut parler mieux à d'autres hommes. Donc ça, il y a vraiment un espace, quelque chose à créer là-dessus, des discussions à avoir là-dessus, surtout pour inciter la jeunesse, pour la sensibiliser dès le bas âge. Comme ça, on peut vraiment aborder les problèmes de qu'est-ce que la masculinité positive et saine. On sait qu'il y a, quand on parle de féminisme, des fois ça déstabilise certaines conversations. C'est comme si on voulait minimiser la masculinité, mais non, mais c'est vrai, on veut vraiment minimiser la masculinité toxique pour promouvoir la masculinité saine. Et pour ça, c'est pas évident de savoir si les médias,
y a la culture, il y a les chansons, ça peut pas vraiment, il y a des opportunités à rectifier ce qu'on entend, ce qu'on perçoit, ce qu'on veut, et on veut combattre ça, mais ensemble. Je crois qu'il y a vraiment une bonne place pour les jeunes, surtout les jeunes garçons, les jeunes hommes, pour créer un espace sécuritaire pour tout le monde. Yeah, exactement. On avait fait une Instagram en direct juste la semaine dernière avec Copa et on a parlé un peu à propos comme juste les masculinités positives et toutes sortes de choses comme ça. Et ça fait vraiment bon, juste pour jaser un peu à propos comme et comment les hommes peuvent avoir être dans la conversation à propos comme les masculinités plus saines aussi. Oui, ça peut être des bons agents de changement. Positif parce qu'à chaque fois qu'on en parle, c'est comme si c'était toujours négatif, alors que ça peut vraiment être positif aussi. Ouais. Et c'est ça qu'on veut promouvoir. Moi, je suis une maman, j'ai un petit garçon de 7 ans et je sais qu'il a tendance à vouloir jouer à des jeux vidéo. Puis je vois que ça commence à. Déjà, le langage commence à être quelque chose qu'on aborde pour dire. Il y a toujours des questions sur les filles, les garçons, comment est-ce qu'on engage de manière saine, qu'est-ce que le consentement, parce que ça commence tôt, qu'est-ce que le consentement, est-ce que je peux te toucher si tu ne m'as pas donné le consentement. Et ça, c'est très difficile à apprendre quand on est jeune, mais ça, c'est vraiment pour que ça commence là, et il faut des outils pour pouvoir avoir ce genre de discussion. Moi, je sais que j'ai cherché pour avoir... toutes sortes de ressources pour pouvoir avoir des discussions sur la sexualité saine, sur le consentement et puis même l'exploitation, la traite, comment éviter des situations dangereuses. Et ça, il faut vraiment avoir une bonne manière de le faire. C'est parce qu'on peut le faire mal aussi. On peut marginaliser alors que c'est juste des questionnements qui arrivent. Il faut donc vraiment être dans la démarche de promouvoir une sexualité saine, une masculinité saine, et il faut avoir des outils. C'est pas évident même pour des parents. Toi, tu dis quelque chose, tu dis ah non, c'est pas comme ça que je voulais le dire. Je sais que tu poses des questions, puis tu voudrais avoir des réponses, et c'est très très bien d'avoir des outils comme ce que White Women a développé. Franchement, ça peut aider. Mm-hmm. Yeah. Mais merci encore. Yeah, mais c'est vrai, comme chez nous, on a une petite fille de 6 mois et on parlait ici à chez nous juste à propos comme le consentement et comme quand elle se grandit, comme juste pour si quelqu'un dans la famille veut donner un hug ou quelque chose, comme, you know, elle déjà doit se poser la question, comme, you know, est-ce que je peux avoir un hug, you know? Mm-hmm. Parce que ça commence là, comme tu dis. Mais le pouvoir, tu as le pouvoir de dire oui ou non. Et puis, si non, ça veut dire non. Ah, mon Dieu, si le non, ça veut dire non, bah, pour mon garçon de 7 ans, ça a été dur de comprendre. Mais non, non, il insiste, et puis, mais il faut quand même continuer. Parce que j'ai aussi une fille de 3 ans, puis les deux, les dynamiques, il faut vraiment que ça donne une bonne opportunité de parler de tout ceci aussi. Parce qu'il y a aussi il y a de la curiosité. Et puis si ce n'est pas abordé vers ces âges-là où c'est très jeune, ça peut se développer dans des choses très problématiques. N'est-ce pas, avoir des comportements problématiques envers d'autres genres, d'autres sexes. Et c'est ça qu'on veut éviter. Oui. Tu parlais un peu à propos un peu de en ligne et juste comme avec des jeux ou n'importe quoi. Donc, que penses-tu de on peut comme être un peu secure en ligne? Quelles sortes de choses est-ce qu'on peut faire ou aider des gens à juste comprendre? Mm-hmm. Ben, ça, c'est une grande question parce que c'est devenu tellement important l'espace en ligne. La pandémie a vraiment fait un. Nos machines, nos téléphones, nos portables, nos laptops, puis nos iPads. Et donc, c'est déjà, je pense d'abord, une première chose, c'est de comprendre déjà ce que c'est l'espace en ligne. Où est-ce que tu es? Parce que des fois, ce n'est pas évident.
Je donne des exemples parce que je parle de mon fils qui a on parle d'une population qui est née avec la technologie. Donc, c'est vraiment, c'est intuitif. Je vois qu'il a découvert des aspects de mon téléphone que je ne connais même pas moi. Donc, il peut parler à Siri pour lui dire, lui demander des choses alors que c'est bloqué. N'est-ce pas? Et donc, c'est de lui expliquer ce que c'est l'Internet. Qu'est-ce que c'est Internet? Et puis, pour les gens qui sont un peu plus avancés, c'est de savoir les diverses plateformes sur lesquelles on est appelé, que ce soit sur les médias sociaux, par exemple Facebook ou Instagram. Instagram, c'est vraiment devenu un espace pour les jeunes, mais aussi TikTok, Snapchat et puis WhatsApp. Et ainsi que les espaces de jeux collectifs, où on joue avec des gens, mais de manière globale, internationale des fois. Parce que c'est tellement difficile à imaginer que dans ce petit espace-là, ce petit outil que j'ai comme ça, j'ai accès à toute la Terre, les bons et les mauvais côtés aussi de toute la Terre. Ouais. Donc, expliquer ça, ça prend du temps. Et donc, pour sécuriser, d'abord comprendre, et puis explorer les diverses applications avec lesquelles on engage, puis comment mettre des paramètres de sécurité qui ne sont pas, des fois par défaut, les machines qu'on utilise n'omettent pas la sécurité. Par exemple, on peut utiliser nos noms d'utilisateurs qui sont un peu plus génériques. Moi-même, pour mon Instagram, je n'utilise pas mon vrai nom, mon nom entier. J'ai changé parce que j'ai vu que ça peut aussi être traçable. Si des espaces où on se laisse un peu aller, on est à l'aise avec la famille et les amis. Et qui, des fois, ça peut jouer contre nous. Donc, déjà, penser à quel nom d'utilisateur on peut mettre, ne pas partager ses informations personnelles, où on habite, son adresse, ça, c'est vraiment pas nécessaire. Donc, pas besoin de mettre ça sur Instagram, même sur Facebook. Même sur Facebook, avant, on mettait des choses sur... où ça dépend si c'est vraiment un compte professionnel ou si c'est juste un compte pour s'amuser et pour rester en contact avec le monde. Des choses comme ça, les paramètres de sécurité, la géolocalisation, le géomarquage, là, oui. Ça, je pense beaucoup, c'est parce que ça te demande, des fois, quand tu vas afficher quelque chose, puis ça te dit, tu veux activer la géolocalisation, mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire? J'ai pas besoin de mettre ça. C'est des choses qui peuvent aider des personnes mal intentionnées. Quand on parle de la traite, on parle de personnes mal intentionnées, pour pouvoir après tracer... se rapprocher de toi, envoyer des messages un peu plus intimes alors qu'on ne se connaît pas. Donc des astuces comme ça peuvent vraiment changer la donne. Ça peut aider à ce qu'on soit un peu plus sécurisé. Parce qu'on ne sait pas, parce que j'ai dit que je suis à tel restaurant, je mets une photo, je poste sur je sais pas, TikTok ou Snapchat, puis je dis je suis à telle intersection. Ça peut aider à quelqu'un qui me veut du mal aussi. J'aime penser positif, comme mon fils me le dit aussi. Il dit, mais il n'y a pas de méchants. Je dis, il y a des personnes méchantes, malheureusement, qui peuvent aussi profiter de cela pour vraiment exploiter la situation. Une campagne de jeunes, c'est comment ils s'embarquent aussi dans la traite. Et ce que j'aime rappeler aussi, c'est que la traite, c'est un système de... Il y a beaucoup d'argent en jeu, c'est pour ça que c'est vraiment un gros problème. Et donc les jeunes s'embarquent comme ça sans le savoir, que des gens gagnent de l'argent derrière. Ils peuvent partager des photos ou des vidéos compromettantes pour pouvoir gagner de l'argent en ligne à travers toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Donc il faut comprendre qu'il y a des gens qui veulent aussi profiter de ça, de l'innocence aussi. Donc, oui. Voilà. Mm-hmm. Yeah, non, merci beaucoup. C'est beaucoup de beaux tips là. Et je veux juste parler un peu à propos quand des jeunes, quand faites attention à des gens qui font des accounts fake, right? Aussi, quand ils utilisent des bots et des n'importe quoi juste pour augmenter leurs likes et leurs followers, right? Oui. Juste pour faire comme une présence en ligne. Oui. Il y a cette problématique aussi. Il y a cette problématique, en effet. Moi, j'ai remarqué, quand on est sur Instagram beaucoup, puis tu vois un like ou tu vois des commentaires, tu ne comprends pas, c'est vraiment généré.
Puis des fois, moi, je clique dessus, je regarde, tu vois, c'est vraiment un faux compte. C'est pas, Ouais. il y a une autre seule personne qui veut pas, les photos ne sont pas, ça colle pas. C'est souvent des jeunes filles ou, et puis tu sens que tu devrais pas accepter certains de ces likes aussi, ou bien des messages privés des personnes que tu connais pas comme ça. Et puis, quand tu regardes, des fois, quand tu, juste un, franchement, quand on sent que ton intuition te dit quelque chose, moi, souvent, c'est ça. Si je me dis, je regarde juste une minute ou deux, même pas, tu t'en rends compte, tu dis, bon, je connais pas la personne, ça a l'air louche, là, ça a l'air fake, et je vais pas m'aventurer. Et ça, c'est vraiment des mesures de prévention, mais souvent aussi, quand on se retrouve dans de mauvaises situations, savoir sur qui on peut compter aussi. Comment tu peux rapidement envoyer un message ou accéder à de l'aide aussi. Ça aussi, ça peut aider d'avoir ce genre de précaution de prêt, juste au cas où on ne sait jamais ce qui peut arriver. Oui. Oui. Non, absolument. Merci beaucoup. Non, c'est bien. C'est vraiment des choses auxquelles il faut penser. Ben, d'abord, en tant que femme, dans l'espace, puis en tant que parent de jeunes enfants, j'ai remarqué que mon jeune, il joue à Roblox, à Minecraft, il commence à jouer avec des jeunes. Puis j'ai commencé à regarder, à lui apprendre que même en regardant, il commence à peine à savoir lire. Il commence à lire, mais donc il peut lire les noms. Et je pouvais voir que c'était des noms problématiques, on va dire. Et je lui ai dit, ça m'inquiète en tant que maman, donc je veux que tu me dises, ou je veux savoir. Et donc il faut toujours dire à une personne de confiance où est-ce qu'on se trouve, où est-ce qu'on est. Et puis quand on a des problèmes aussi en ligne, ça comprend en ligne, savoir à qui on peut se confier. Donc c'est vraiment, c'est très très important. De savoir quelle plateforme, comment ça se présente, et puis on sait qu'il y a certains espaces qui attirent certaines personnalités, et que comment est-ce qu'on peut, c'est pas vivre dans la peur, dans la crainte, mais se protéger, c'est tout. Oui, oui. C'est l'équilibre entre la peur et la protection. Donc c'est vraiment. C'est l'équilibre, absolument. Oui. Oui. Ouais. Awesome. Oui, parce que la vie est belle quand même. La vie est belle. Il y a de belles choses fun et rigolotes sur TikTok. Mais il y a aussi des gens qui en profitent, qui peuvent en profiter pour nous envoyer des. Tu sais, moi, quand on reçoit des messages avec des compliments vraiment exagérés, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, c'est louche. Vraiment, mieux vaut se protéger puis ne pas partager, surtout dans ces instants-là. Et dire, toi. Je sais pas quoi, moi, tu es très belle, tu m'as envoyé ta photo, je sais pas quoi. Mais franchement, il faut savoir que ça, c'est red flag, très, très, très fort. Ouais, parce qu'une fois, la peur, c'est qu'une fois que tu envoies ce genre de médias, disons que j'envoie une photo de moi compromettant, puis je peux pas, elle est partie, je peux pas la retrouver. Hein. Puis les gens peuvent utiliser ça pour extorquer, pour opprimer, puis pour exploiter, n'est-ce pas? Ils peuvent exploiter, créer des faux comptes, vendre certaines ces informations, te faire peur. Et après, vraiment, on se retrouve dans des situations très, très difficiles. Oui. Non, absolument. Donc, c'est important de juste faire attention et utiliser des tips qu'on avait parlé à propos aujourd'hui. Parce que, c'est. Mais comme tu dis aussi, c'est un équilibre. Right? So, j'aime ça beaucoup. D'être comme. Faites attention, mais aussi, il y a de beau dans le monde aussi. Donc, Exactement, exactement. Et non, mais il y a des choses vraiment faciles qu'on peut faire pour se protéger. Et juste avoir cette intuition quand tu actives ton téléphone, quand tu actives l'appli sur laquelle tu viens de t'abonner, juste aller dans les settings et changer deux, trois choses qui y a beaucoup, beaucoup d'informations en ligne aussi sur comment être un peu plus sécuritaire. T'assurer que là où tu commandes, c'est pas public. Quand c'est public, qu'est-ce que tu as partagé? L'information qui peut te tracer où tu es. Juste te poser des questions. Parce que aussi la ligne entre le virtuel et puis le réel, là, le monde réel,
elle peut être très fine. Si je sais où tu es, là, du coup, ça peut devenir physique facilement. Mmh. Ouais. On n'a pas mentionné aussi les sites de rencontres aussi. Ça aussi, ça a un autre aspect, n'est-ce pas? Puis, ouais, dans les écoles. Et puis, savoir que ça peut être des personnes en qui tu as confiance, parfois. Ça peut être d'autres jeunes qui ne savent pas eux-mêmes qui sont exploités ou qui peuvent savoir, ou des grands qui t'ont confiance ou à peu près te connaissent. Tu peux te faire embarquer comme ça. Donc, toujours rester vigilant, mais pour avoir vraiment un espace sain. Ouais. Ouais. Yeah, absolument. Et, oui, non, c'est vraiment important, mais c'est comme ça, on peut vraiment prévenir que les choses s'aggravent et puis on continue de rester safe. Parce qu'avec la venue de nouveaux outils, comme avec la venue des trucs numériques, il faut à chaque fois changer d'approche. Quand on passe beaucoup de temps dans ces espaces, il faut savoir quels sont les dangers aussi qui sont là-bas. Yeah, yeah, absolument, yeah. Ben, yeah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a comme juste quelques dernières choses que tu veux promouvoir ou promote ou... Non, j'espère qu'on va faire encore plus de sessions ensemble, comme ça on peut vraiment prendre d'autres thèmes pour pouvoir engager plus de monde, mais non, c'est vraiment le projet. On a, le centre francophone a beaucoup de présence dans les écoles, dans les écoles francophones, où on peut aider les personnes. Puis les écoles maintenant ont maintenant des protocoles sur comment aider les jeunes dans ces situations-là. Et on fait partie maintenant de cette table de concertation où on partage des outils. Moi, je veux dire, pour les écoles, pour les jeunes francophones qui nous écoutent, savoir que en Ontario, où je suis, en tout cas dans le Grand Toronto, je crois qu'un peu partout dans la province, il y a des ressources dans les écoles. Si jamais il y a des choses qui se passent et qu'on n'est pas sûr, on veut parler à quelqu'un. Il y a de l'aide aussi. Et puis je sais que nous, au centre francophone, on a des intervenants un peu dans les écoles. On a des espaces jeunesse, des espaces où on peut aider les personnes qui sont dans le besoin. Et donc je veux vivement promouvoir cela, de travailler de manière, de s'approcher toujours des ressources de l'école pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire, quelle est l'aide qui est disponible. Oui. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a aussi en ligne, il y a des lignes d'aide, hotlines, n'est-ce pas? Ouais. On pense savoir, on n'est pas sûr, on croit que quelqu'un se fait exploiter ou on se fait exploiter soi-même. Je crois qu'il y a le Centre canadien pour mettre fin à la traite contre les personnes. Ça, il y a un numéro là qu'on pourra partager sûrement. Mais même en googlant, on peut le retrouver. Mais contactez-nous, le Centre francophone, si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes dans le Grand Toronto. Ça, c'est vraiment un peu partout. On a 7 bureaux physiques. Puis on est virtuel comme tout le monde aussi. Et ne pas hésiter, mais on a de super bons programmes pour les jeunes, pour les parents et pour les familles aussi, que ça peut aider. Yeah. Oui, en tout cas, merci beaucoup, Taylor, de m'avoir invité. Puis j'espère que c'est que le début de notre yeah. Oui. Yeah, non, merci encore pour juste avoir une discussion aujourd'hui. C'était formidable, c'était super fun. Et notre Instagram live ici va être resté sur notre Instagram. Okay, mais aussi sur notre site web wrprevent.ca aussi, sur une table vidéo. So, yeah, je vais juste download et mettre sur le site web aussi. So, yeah. Et nous, yeah. Nous, vous pouvez nous suivre aussi sur les médias sociaux, Centre francophone de Toronto, je crois sur Instagram et sur Facebook. Et puis notre site web, c'est centrefranco.org. Donc, suivez-nous parce que là, il y a toutes les informations sur les services, y compris les services que j'ai cités. Et en tout cas, merci beaucoup. Bonne journée. Toi aussi, oui. Okay, yeah. Merci beaucoup, c'était super fun. Ouais, j'espère que ça va continuer. Moi aussi, c'était fun pour moi. Absolument, yeah, no, for sure. Ok, à la prochaine. Au revoir, à la prochaine. Bye bye tout le monde.